Ah, mais c'est Stanislas qui va essayer de gérer ce coup franc. Les coups francs longs, surtout celui. Ils ont en numéro 8 sans changer de frapper au second poteau avec cette sortie. Ouh, il est passé, c'est pas rentré au moins. Ça sera l'ouverture des scores avec cette sortie malheureuse de Alioune Badaraïn Diop qui a été très 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 en retard. Ah bah ouais. C'était très bien joué, c'était très bien anticipé. Elle a repositionné son ballon pour le déposer dans la zone de vérité des académiciens. Attention parce que là ils sont complètement costauds, il y a des bandes détentes dans cette équipe de Sonacos avec Karim Mané. Cette fois-ci, oh quel superbe tête pour Véro, Papa Suleiman John. Et le troisième but qui crucifie complètement cette équipe de Diambar. Ça c'est vraiment de la vraie punition, de la vraie coaction. On veut juste démarrer le troisième but qui vient sur un corner. Alors tirer la tête. Et c'est le troisième but. Ouais, Papa Suleiman. Ouais, 3-0. Le tac qui passera pas, Suleiman, il est passé avec Maïali, mais non, la contre-attaque pour faire très mal, sur le côté droit avec Ménon, Suleiman, le centre en retrait au moins sans deuxième, et ça fera la clôture, la punition, excusez-moi cette punition, complètement folle, en l'espace de 45 minutes, quelle décision compliquée maintenant pour... L'équipe du Sali, le Diambar. Voilà, c'est cette perte de balle d'abord.